Avoir des données et une analyse de qualité, c'est un prérequis pour une bonne argumentation. Ça ne sert à rien de construire des argumentations très structurées, détaillées tout au point, si le point de départ, hein, les faits entre guillemets qui constituent le squelette de votre argumentaire, sont fragiles. Par exemple, si vous avez été depuis les années 1950, il me semble, à 1946, 10 années dans une situation où votre PIT, niveau de dette était supérieur à 90%, eh bien, vous apparaissez 10 fois dans le groupe des pays très endettés. Et le problème, donc, ce qu'observent les auteurs, c'est que au-delà d'un certain niveau de dette, hein, 90%, on a l'impression que la croissance s'effondre considérablement. Par exemple, la croissance moyenne, hein, ce qui est la barre en rouge qui est légèrement négative, elle est très faible, voire elle est négative pour les pays très fortement endettés. Enfin, en tout cas, pour les configurations, les pays sont très fortement endettés. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un étudiant en économie a essayé de reproduire sans succès les résultats de cette étude. Les données étaient publiques, hein, donc n'importe qui pouvait y avoir accès. C'est un exercice classique à l'université, on essaye, donc Thomas Herndon, il s'appelait, il essaye de refaire ça. Et il constate qu'il n'y arrive pas, il ne tombe pas sur les mêmes résultats, ce qui va le pousser à contacter Reinhardt et Rogoff, les auteurs de l'étude, pour essayer de comprendre ce qui explique la différence. Alors, donc c'est ce point-là qui pose le plus problème, celui pour les pays très endettés avec un niveau de croissance négatif. En fait, ils constatent, et donc les auteurs ont été suffisamment transparents pour pouvoir transmettre les tableaux Excel qui ont été mobilisés pour faire l'étude, ils constatent qu'il y a une erreur dans la constitution des cellules, le choix des pays qui ont été pris en considération. Et il y a déjà un certain nombre de pays qui n'ont pas été entrés dans la formule sans que ce soit expliqué. Pourquoi ? Donc, premier élément, la donnée de base était fausse. Et si on rétablissait l'ensemble des données, on arrivait à quelque chose qui était plus proche de 2% de croissance. Donc, déjà, voilà. Donc là, ça aurait dû ressembler à quelque chose comme ça. Ensuite, même si toutes les données avaient été prises en cause considérablement, il y a eu un problème, évidemment, dans la qualité du traitement des données. C'est-à-dire que les auteurs ont fait des regroupements qui, statistiquement, étaient très discutables. Là, je me concentre sur le groupe avec plus de 90% de dette. On va voir deux pays, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, qui vont peser quasiment de manière équivalente. Alors qu'en fait, le Royaume-Uni, il y avait 19 valeurs, c'est-à-dire qu'il a été 19 fois très endetté depuis les années 46. Alors que la Nouvelle-Zélande, c'était arrivé qu'une fois. Donc si on donne le même poids à un pays qui a été 19 fois endetté et un pays qui a été qu'une fois endetté, bah finalement on va complètement fausser le traitement statistique qui était derrière. Ça revient en fait au problème des outliers, c'est-à-dire que c'est ces valeurs extrêmes qui viennent gêner l'interprétation, le narratif, l'histoire qu'on est en train d'essayer de vendre. Donc, tout l'enjeu, en fait, c'est pas que ce soit une mauvaise chose en soi d'effacer des outliers, mais il faut expliquer pourquoi. Dans ce cas, il faut toujours être transparent par rapport à notre démarche. Et donc, tout ça pour dire que ce soit sur la question du traitement des données ou la base même des données que vous prenez en considération, sachez que même les meilleurs scientifiques, même les meilleures revues, parfois ça arrive que des données fausses ou maltraitées, mal présentées, passent le filtre des revues par les pairs, hein, des analyses, des évaluations des autres scientifiques. Donc ne prenez jamais toutes données comme parole d'évangile et questionnez-vous. Avant d'utiliser des données dans un argument, est-ce que ces données sont fiables et est-ce qu'on a des moyens pour vérifier de manière indépendante par une autre source, qu'elles sont solides avant de se lancer dans un argumentaire important.